garde le cap malgré la crise du logement. Il maintient ses cibles pour les deux prochaines années. Oui, exact. Augmentation légère, l'augmentation prévue pour les deux prochaines années est maintenue, mais il y aura une stabilisation pour la troisième année. Voyez les chiffres en détail qui nous ont été fournis au cours de la dernière heure. D'abord, l'an prochain, 2024, Ottawa prévoit accueillir 485 nouveaux résidents permanents, un demi-million en 2025. C'est ce qui était déjà prévu l'an dernier. Le nouveau chiffre ce soir, c'est celui pour 2026, un autre demi-million de personnes. Pas de hausse, pas de baisse non plus par rapport à 2025. Bref, c'est 1 485 000 nouveaux arrivants qui vont venir au Canada au cours des trois prochaines années, malgré la crise du logement. Mais le ministre fédéral de l'Immigration, Sophie, nous dit ce soir que c'est nécessaire en raison notamment de la pénurie de main-d'œuvre. Le volet économique est immensément important. Or, c'est le volet qu'on contrôle le plus, parce qu'on peut contrôler le type de gens qui vont venir ici sur les différentes enveloppes de catégories où on accepte les gens au pays. Puis c'est des gens qui apportent du capital au pays. Alors, la réflexion selon laquelle est-ce qu'on devrait diminuer le PIB simplement parce qu'on a une espèce d'idée que ça pourrait avoir une pression sur le logement ou les soins de santé, je ne pense pas que c'était le calcul à faire. Le ministre reconnaît que le fédéral devra mieux arrimer ses cibles d'immigration avec les besoins. Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas le cas actuellement, Sophie. L'immigration au Canada est mal arrimée, effectivement, avec les besoins. Il promet des changements, Mark Miller. Quant aux cibles de Québec, Alain l'a dit il y a un instant, Ottawa et Québec ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Le ministre fédéral se dit déçu des cibles de Québec, mais dit quand même respecter la décision du gouvernement de François Legault. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.